Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans l'immobilier à Grenoble. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Pour moi, déjà, c'est un investissement dans lequel on emprunte la totalité du projet immobilier à la banque, c'est-à-dire coût d'achat, frais de notaire et frais de travaux. Ok, vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les locataires. Les locataires doivent payer aussi les charges d'exploitation. Les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais d'agence si vous faites appel à une agence, l'assurance propriétaire non occupant, les futurs travaux à venir. Tout ça, ça se provisionne. Et l'objectif, c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des charges au même niveau que les revenus. Comme ça, c'est une opération nulle, elle ne vous coûte pas d'argent, mais elle ne vous rapporte pas d'argent. Et les meilleurs investisseurs, ce qu'on va rechercher à faire aujourd'hui, ça va être de dégager du cash flow, donc avoir des revenus supérieurs aux dépenses. Et donc, gagner de l'argent tous les mois grâce à notre investissement immobilier. Je le répète, tout en mettant 0 euros d'apport. On emprunte la totalité à la banque. Pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes qu'on va réaliser dans cette vidéo. Donc la première étape, ça va être une prise d'information de la ville de Grenoble. Après, ça sera les estimations des loyers pratiqués à Grenoble. Combien est-ce qu'on va pouvoir louer notre achat immobilier? Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché de Grenoble. Donc, c'est une étude concrète avec des cas réels. On fera une rapide estimation du rendement pour savoir si oui ou non on garde ce bien qu'on a choisi pour la suite de notre étude, histoire de ne pas perdre de temps si on se rend compte que le bien n'est pas rentable. La cinquième étape, ce sera les calculs, le calcul des mensualités du crédit. Savoir si on va être à l'autofinancement ou si on va avoir un cash flow négatif ou positif. Très important. Et après la dernière étape, l'utilisation de mon calculateur simulateur pour calculer la rentabilité d'un bien immobilier et son cash flow. C'est dans cette étape qu'on va renseigner tous les chiffres qu'on a pu récupérer dans les étapes précédentes. On va aussi pouvoir faire plusieurs scénarios qui vont nous permettre de savoir à quel prix il faut acheter le bien pour, par exemple, être à l'autofinancement ou à quel prix on doit acheter le bien pour avoir un cash flow de 200 euros, par exemple. Ça va être aussi l'occasion de faire des simulations par rapport au loyer. On peut avoir une estimation avec un loyer bas et une autre estimation avec un loyer un peu plus haut, par exemple. C'est vraiment l'étape, pour moi, la plus importante cette vidéo. Ok, on passe tout de suite à la première étape et la prise d'information sur la ville de Grenoble. Donc tout d'abord, Grenoble, c'est une ville que je ne connais pas particulièrement. Malheureusement, je n'ai pas pu passer de temps dans cette ville, que ce soit pour les vacances ou pour investir. Cependant, je sais que ça fait partie des 20 plus grandes villes de France en termes de population. D'accord ? Donc 20 plus grandes villes de France, ça signifie tout simplement qu'il y a un marché locatif pour à peu près tous les types de locations possibles dans l'immobilier. Donc on va survoler les différents points, alors que d'habitude j'ai plutôt justement l'habitude d'aller en profondeur, mais là je vais les survoler parce que on sait qu'il y a des étudiants, on sait qu'il y a des jeunes actifs, on sait qu'il y a des gens qui vont chercher un logement. Donc c'est moins utile d'aller en profondeur. Ok, première étape, donc j'aime bien regarder le nombre d'habitants quand même dans une ville. Donc pour ça, vous pouvez aller sur Wikipédia et taper le nom de la ville de Grenoble. Donc c'est aussi l'occasion de lire la page Wikipédia. Vous allez en apprendre énormément sur la ville en peu de temps, que ce soit le salaire moyen, le type de population, l'histoire, le développement des quartiers. On apprend vraiment beaucoup de choses. Alors,
Là, j'ai l'information sur son agglomération. Il y a 670 000 habitants dans l'agglomération de Grenoble. C'est vraiment énorme, hein. D'accord. Et voilà, on apprend que c'est la 16e commune de France avec 160 000 habitants. C'est ce que je vous disais, top 20. Je note tout de suite le nombre d'habitants. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Grenoble, eh ben, je vais vous montrer ça sur la carte. Alors, Grenoble, voilà, c'est entre Lyon, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, Saint-Étienne aussi, j'ai fait une vidéo, Chambéry. Vous avez Chambéry, vous avez Valence aussi, pas très loin, Gap. J'ai fait une vidéo aussi sur Gap. Voilà les villes les plus proches. Hein. On parle quand même de la 16e plus grande ville de France. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a des montagnes autour. Donc, la ville doit être très peuplée et attirée aussi. Les personnes qui sont dans les départements ou dans les villes à côté, hein. Que ce soit pour le travail, ça doit vraiment être le cœur d'un rayon de 50 km autour de Grenoble. Ok. Alors, j'ai l'habitude de regarder s'il y a des universités et combien il y a d'étudiants. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que les étudiants sont des très bons locataires. Parce que c'est leurs parents qui payent les loyers, c'est leurs parents qui sont garants. Donc vous avez un risque d'impayé extrêmement faible comparé à de la location à une famille. Ça, c'est important aussi à prendre en compte quand vous recherchez à investir. Et puis ils ont une situation très simple, ils savent qu'ils sont là pour leurs études et ils vont pas vous embêter, vous le propriétaire, hein. Donc c'est aussi une certaine tranquillité pour le propriétaire qui n'est pas négligeable. Ensuite, pour ceux qui seraient intéressés par la location courte durée, location saisonnière, j'aime regarder les hôtels dans une ville ou dans différents quartiers. Pourquoi? Bah parce que ces hôtels ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Donc s'il y a un marché locatif, eh ben, ça veut dire qu'ils se sont installés tout simplement un endroit où il y a un marché locatif pour de la location courte durée, location saisonnière. Donc c'est un bon indicateur pour vous si vous voulez faire de la location Airbnb par exemple. Ok. Après il y a aussi les hôpitaux. On oublie souvent les hôpitaux, mais c'est souvent un des premiers employeurs d'une région par exemple. Et il y a énormément de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. On parle vite de 3 à 4 000 personnes. On oublie aussi un autre type de locataire, autre que les personnels soignants. Ce sont en fait la famille qui va venir accompagner une personne hospitalisée dans ses soins. Donc la famille va chercher à se loger pour une dizaine de jours à proximité de l'hôpital pour accompagner vraiment la personne dans ses soins. Et donc là, ils vont rechercher plutôt des locations courte durée, des hôtels. Hein, c'est intéressant de prendre ça aussi en compte. Comme dans toutes les grandes villes, les transports en commun sont importants. Personnellement, on va regarder tout de suite ce qu'il y a en transport en commun à Grenoble. Est-ce qu'il y a un tramway, par exemple? Ouais, tramway de Grenoble. Très bien. Et bien ça, c'est important pour, à mon avis, les jeunes salariés et les étudiants qui, eux, ont besoin de se balader ou voyager dans la ville à n'importe quelle heure et facilement. Donc, si vous visez ce type de personnes dans votre investissement immobilier, c'est important pour moi de se rapprocher vraiment des transports en commun. Voilà. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de passer tout simplement du temps dans la ville de Grenoble. Prenez le temps après votre travail de regarder ce qui se passe dans les quartiers qui vous intéressent. Passez des week-ends aussi, explorez.
Posez des questions, faites-vous passer pour un futur locataire et demandez comment est la vie de ce quartier. Vous allez apprendre le type de population dans un quartier, les animations, les nuisances sonores. Est-ce qu'il y a un quartier qui tombe en ruine? Est-ce qu'il y a des projets d'urbanisation dans cette ville de Grenoble? Posez toutes ces questions aussi aux personnes qui habitent à Grenoble, tout simplement, et vous allez en apprendre énormément. Moi, je conseille plutôt du coup de viser des quartiers qui ne font pas parler d'eux. Hein, pas des quartiers trop chics, où les prix seraient trop élevés, et évidemment pas des quartiers trop populaires, où vous ne trouverez peut-être pas de locataires qui souhaiteraient s'installer dans un quartier populaire. Ok, donc visez un quartier, à mon avis, entre les deux, qui va vous permettre d'acheter bien en dessous du prix du marché, tout en ayant un cadre de vie respectable et qui convient à tout le monde. Ok, on va passer à la deuxième étape maintenant, et l'estimation des loyers. Alors, vous l'avez compris, nous on veut mettre 0 euro d'apport et on veut avoir du cash flow tous les mois. Pour y parvenir, il n'y a pas de secret. Il va falloir transformer l'usage d'un bien, il va falloir créer de la valeur, il va falloir augmenter les revenus locatifs de ce bien. Ça peut être par exemple de la location courte durée. Hein, on va louer à la nuit et du coup, la nuit va être plus chère. Ça peut être aussi de la division d'appartements. Hein, acheter un grand appartement pour le diviser en deux et augmenter ses loyers. Ça peut être aussi agrandir un grand studio. On achète un studio de 30 mètres carrés et on crée une chambre pour le louer au prix d'un T2. Ça va être 50, 60, 100 euros de plus par mois et c'est ce qui peut faire la différence et obtenir un cash flow positif. Ça peut être aussi l'achat d'un immeuble de rapport. Là, c'est un petit peu différent. C'est plutôt un achat en gros. Donc acheter 5 appartements d'un coup vous coûtera moins cher que 5 fois un appartement. Hein. Et puis le dernier mode de location que j'aime bien, c'est la colocation. On va acheter un grand espace, du coup à un prix au mètre carré plus faible, mais on va quand même le louer à la chambre, d'accord? Et on va obtenir des meilleurs revenus que si on l'avait loué classiquement à une famille ou à un couple avec des enfants. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs, mais voilà, on va obtenir plus de revenus tout simplement. Donc je vous propose de partir sur la colocation. C'est un mode de location que je maîtrise bien vu que moi j'ai deux colocations. Mais ça aurait pu être aussi de la location courte durée, hein. Il n'y a pas de préférence particulière pour un mode de location tant que ça rapporte du cash flow. Faut y aller. Alors, on va regarder donc les prix pratiqués pour une colocation et on va aller sur le site du Bon Coin. J'aime bien le Bon Coin parce qu'ils ont un petit critère colocation qu'on ne retrouve pas partout, par exemple. Donc, recherche, colocation, on voit qu'il y a quand même 380 résultats. Alors, la concurrence est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a un marché. Encore une fois, hein, si on aurait vu, pardon, 5 colocations, bah, peut-être qu'il n'y avait pas de marché. Après, je tourne cette vidéo en pleine période de confinement. Peut-être qu'il y a des chambres qui se sont libérées aussi. Donc là, on a un nombre assez important, c'est vrai. Hein, il faudrait pas non plus qu'il y ait trop de demandes et enfin trop d'offres et pas assez de demandes, ça serait aussi catastrophique. Donc 380, c'est la limite. Hein. Quand même, ça me paraît beaucoup d'offres de colocation. Faudrait pas que ça dépasse 400. Alors, on va regarder les prix pratiqués tout simplement pour une colocation à Grenoble. Alors ici, on a 390 euros.
plus 70 euros de charges. Lisez bien les annonces, déjà pour avoir le prix exact avec les charges, plus vous allez apprendre énormément de choses sur l'emplacement du bien, le quartier et la ville de Grenoble en général. Donc on apprend qu'il y a une école de management, par exemple. Et à côté du tram, voilà. Donc 460 euros pour 5 chambres et 105 mètres carrés. Ensuite, on a 390 euros dans un T4, donc avec 3 chambres. 390 euros, très bien. 3 chambres, 85 mètres carrés. Ok, on passe à la suivante, à l'annonce suivante. Donc ici, c'est 450 euros. Et je pense que il y a deux chambres, non, trois chambres. D'accord, trois chambres, 450 euros. Ben, on va noter 450 euros, 3 chambres, 56 mètres carrés. Une autre annonce, on est sur 390 euros. Après, il varie un petit peu les charges selon la durée. Bon, on va partir sur 390 euros si on loue sur plus de 10 mois. Il y a 4 chambres. Ok, 390 euros. 4 chambres et 75 mètres carrés. C'est un petit peu petit pour, comme espace pour 4 chambres, mais bon. Ok, donc nous on va faire une conclusion un petit peu des prix pratiqués. Donc on voit des prix allant de 390 euros à 480 euros. Il y a quand même une petite variation des prix. Moi je vous conseille toujours de partir sur un prix raisonnable, un prix où vous êtes sûr de louer, histoire de ne pas vous faire des frayeurs si vous estimez un prix trop élevé et que le jour J vous n'arrivez pas à louer. Eh ben, ça peut être catastrophique parce que toute votre étude est faussée parce que vous louez pas au bon prix. Donc nous, on va partir sur un prix de 400 euros. Voilà, je prends pas de risque. Nous, on va aussi rénover le bien, mais 400 euros par chambre, je prends pas de risque. Je pense pouvoir vraiment louer à ce prix-là. Allez, c'est parti pour la troisième étape et la sélection d'un bien à vendre. Donc nous, pour une colocation, je vais vous conseiller au minimum 3 chambres et 3 colocataires dans votre colocation. C'est le minimum, histoire de rentabiliser quand même l'achat d'un appartement assez grand. Nous, on va même partir sur 4 colocataires. C'est un chiffre que j'aime bien. Il y en a certains qui cherchent des appartements et des maisons plus grandes pour... faire des colocations de 5, 6, 7, 8, 8 colocataires, des fois j'ai déjà vu. Ça dépend vraiment de vous. Nous, on va partir donc sur 4 chambres avec 2 salles de bain pour offrir un confort un petit peu plus supérieur à nos colocataires. Et on va voir un petit peu, mais c'est pas impossible qu'on transforme tout simplement le salon en chambre supplémentaire. Ce qui va nous permettre d'augmenter vraiment la rentabilité de notre investissement. Alors, ce qui veut dire aussi qu'il y aura une pièce de vie commune pour les colocataires, ça serait la cuisine qui ferait aussi salle à manger, salon. Alors, je sais que certains peuvent être un petit peu choqués au début, mais regardez les concurrents, regardez les offres concurrentes.
Si y en a qui le pratiquent, visitez aussi les offres concurrentes, allez sur place. Si d'autres le pratiquent, c'est que c'est possible aussi de le faire à Grenoble. Hein. Je dis pas, si vous êtes le seul à proposer une bien colocation sans salon, peut-être que ça aura du mal à passer à Grenoble, à vérifier. Mais nous, on va partir là-dessus, c'est ce qui se fait de plus en plus et c'est un excellent moyen pour rajouter une chambre et rajouter un loyer. Donc, on va chercher des biens de 80 mètres carrés minimum sur Grenoble. Et je vais passer par le site bien ici parce qu'on peut voir l'emplacement des biens à vendre. Et ça, j'adore. On peut aussi afficher les tramways. Et ça, c'est top. Hein, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais dans une colocation, il y aura deux types hein, de colocataires. Il y aura les étudiants et les jeunes actifs. Voilà, on maximise vraiment les recherches pour trouver des jeunes travailleurs et des étudiants. Aucun problème là-dessus. On va trier par surface. Donc de 80 à 100 mètres carrés. Et on va aussi trier par prix. L'objectif, c'est toujours d'acheter le moins cher possible. Donc on va trier, on va afficher que les biens déjà les moins chers. Ça va nous permettre de filtrer aussi les annonces. Donc de faire des visites plus ciblées. Et tout simplement viser les biens qui nous intéressent parce qu'ils sont les moins chers. Hein. Alors, on va regarder une annonce. Par exemple, celui-ci. 83 mètres carrés. Ok. De toute façon, il y aura des travaux à faire. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. Des charges de copropriété assez faibles, 885 euros par an. La taxe foncière est quand même de 1280 euros. Ok. On reviendra sur ces points plus tard. Je vais juste noter cette annonce. Donc, 83 mètres carrés. Ok. Est-ce qu'on a d'autres biens à des prix intéressants? Alors, on a celui-ci par exemple, 169 000 euros. Ok, je vais noter. 80 mètres carrés. Alors, j'avais vu d'autres biens moins chers par ici. Il y en a à 95 000 euros. Alors, bien sûr, moi, je ne connais pas les quartiers. C'est aussi l'occasion de rechercher sur les quartiers quand on trouve des biens. Peut-être que le quartier est vraiment... Enfin, est un petit peu moins coté. Hein. Peut-être qu'il est simplement un petit peu oublié, un peu moins coté, parce qu'on voit que les biens autour sont aussi moins chers. Mais 95 000 euros, ça fait une belle différence avec les premiers prix qu'on a vus. Hein. C'est cet écart de prix-là qui va nous permettre aussi d'avoir du cash flow tout de suite. Ouais, puis les photos, bon, sont pas dégueu, hein. C'est pas un bien insalubre. J'ai pas l'impression, en tout cas. Il y a d'autres biens aussi à côté, donc il y en a un à 125 000 euros, 82 mètres carrés. Déjà, celui-ci, il me donne moins envie que celui d'avant. Et je ne vais pas noter l'annonce. Hein, on a des prix aussi plus corrects, plus raisonnables, j'ai envie de dire,
ici. Oh, la cuisine est plutôt jolie, hein? Moi j'aime bien en tout cas, c'est assez propre. 4 pièces, cuisine, 80 mètres carrés, 88 000 euros. Bah, je vais noter. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent en plus? À côté du bus et du tramway, c'est le quartier Allée de la Pelouse. Des charges de copropriété de plus de 2000 euros, ça c'est assez élevé. Combien étaient les charges pour l'autre bien? On va voir, ça peut faire la différence entre les deux. Alors ici, j'ai pas le prix des charges de copropriété. Bon. Moi, je vais partir sur ce bien. Alors c'est vrai qu'on est peut-être à l'écart du centre de Grenoble, mais on a le tramway quand même, pas très loin. À voir, hein. Il faudrait aller sur place pour de toute façon regarder si l'appartement permet l'agencement comme on le souhaite, hein, avec 4 chambres et 2 salles de bain. Tous les appartements ne le permettront pas. Donc regardez ça, regardez le règlement de copropriété aussi, si on peut faire une colocation dans cet immeuble, ça c'est important de vérifier. Mais sinon, bah, on va partir sur ce bien-là pour la suite de notre étude. Hein. C'est le bien le moins cher qu'on ait pu voir et puis il a l'air correct, hein. Les photos ont l'air correct. On passe à l'étape numéro 4 du coup, l'étude rapide de la rentabilité. Donc on a un coût d'achat proposé à 88 000 euros. On ne parle pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire vont être aux alentours de 9%, donc dans les 8 000 euros. Les travaux, là il va falloir faire une estimation. Mais dans tous les cas, il va falloir faire aussi passer 2 artisans pour obtenir 2 devis différents, pour savoir combien va vous coûter tous ces travaux. C'est important de savoir où on va. Nous, on va préparer un petit peu le terrain. Et donc, je vous donne en général 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des gros travaux comme salle de bain, cuisine. Moi, honnêtement, la cuisine, je vais la garder comme ça. Elle est propre. Peut-être changer quelques équipements, le four, par exemple. Voilà. Après, la salle de bain, est-ce qu'on a une photo? On a une toute petite photo. Ah, la douche est quand même sympa. Hein, la douche est sympa. Donc, pour le moment, je vais même partir sur juste la création d'une salle d'eau, d'une salle de bain. Plus d'une chambre, hein, forcément. On apprend aussi qu'il y a un parking privé au sous-sol. D'accord. Ok. Donc, il va falloir créer la quatrième chambre et créer une nouvelle salle de bain. Plus rénover peut-être le reste de l'appartement. Donc peut-être électricité, peinture, déco. Enfin bon, on devrait en avoir pour donc 4000 euros la salle de bain. Je pense, 15 000 euros maximum. Hein. 15 000 euros maximum. Alors, ça nous donne un coût total de donc 96 101, 111 000 euros. Ce qui est au final un montant total assez faible par rapport à d'autres projets que j'ai pu faire dans d'autres très grandes villes de France. Hein. Ça reste des prix raisonnables, très raisonnables, et à mon avis c'est un signe de cash flow. Donc nous on va pouvoir louer 400 euros chaque chambre. Et on a 4 chambres, donc ça va nous faire 1600 euros.
Et là, c'est simple, c'est est-ce que ça respecte la règle des 1%? La règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce qu'un mois de loyer brut, donc 1600 euros, correspond à 1% du coût total du projet? Alors là, on explose la barre des 1%, vu qu'on pourrait aller jusqu'à acheter le tout pour 160 000 euros et on respecterait encore la règle des 1%. Alors, ce n'est qu'un indicateur, mais dépasser cette règle des 1%, c'est extrêmement rare et c'est un signe de gros cash flow, vraiment. On va vérifier ça tout de suite dans l'étape numéro 5, mais c'est vraiment bon signe pour les investisseurs à Grenoble. Alors, on a un coût total de 111 000 euros. Un loyer estimé de 1600 euros. Alors, quand on va aller voir la banque pour emprunter la totalité du projet, ils vont enlever automatiquement 30% sur les loyers bruts pour avoir une estimation des loyers nets. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les charges d'exploitation d'un bien sont élevées. Les charges de copropriété, l'assurance, la taxe foncière, etc., etc. Donc nous aussi, on va enlever 30% tout de suite pour avoir une estimation des revenus nets. Donc si on enlève 450 euros, on fait du 1150 euros à peu près. C'est calcul de tête. En réalité, on serait peut-être aux alentours de 1120 euros. Voilà. Donc on va emprunter 111 000 euros à la banque et on va voir combien ça va nous coûter en mensualité du crédit. Donc moi je passe par le site meilleurtaux.com, hein. Très pratique, ça fait exactement ce qu'on recherche. Donc je vais prendre sur la durée la plus longue possible pour un investissement locatif, c'est souvent 20 ans. Certains arrivent à avoir des durées un petit peu plus longues, on en parlera peut-être plus tard. 20 ans. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles tous les mois et ainsi se rapprocher encore plus de l'autofinancement et d'un cash flow positif. Alors vous allez me dire oui, mais le coût du crédit est plus élevé. Ça va me coûter plus cher en intérêt. Vous avez complètement raison. Mais en même temps, faut bien comprendre que ce n'est pas vous qui allez rembourser le crédit, mais bien les locataires. Et utiliser l'argent des autres, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. La preuve, on est en train d'acheter un appartement avec l'argent de la banque et on est en train de le rembourser avec l'argent des locataires. On met 0 euros et à la fin, on a un bien de 90 000 euros, hein, c'est ça? Donc, c'est comme ça vraiment qu'on arrive à s'enrichir. En ce qui concerne le taux d'intérêt du prêt, espérez pas le meilleur taux, hein, on emprunte la totalité, donc c'est plus risqué pour la banque. Si vous obtenez un taux de 1,8, ça sera déjà très bien. L'objectif numéro 1 est bien d'avoir le prêt pour l'ensemble du projet immobilier. Donc lâchez un peu du lest sur d'autres éléments du prêt. Par contre, pour le taux de l'assurance, là vous pouvez avoir mieux. J'ai eu 0,07%, donc visez les 0,1%. En faisant par exemple de la délégation d'assurance, vous allez voir un courtier spécialisé en assurance. Et pour info, il vaut mieux faire baisser le taux d'assurance de 0,1% que le taux nominal du prêt. Pourquoi? Parce que le taux d'assurance, il s'applique en général sur le montant total emprunté, donc ça n'évolue pas au cours des années, alors que le taux nominal, en général, il s'applique sur le capital restant dû. Et comme vous remboursez du capital restant dû chaque année, eh ben, les intérêts vont baisser avec les années. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire baisser le taux d'assurance que le taux nominal du crédit. Ok, donc on a des mensualités de 560 euros. Donc là, le calcul est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Et là, avec 1120 euros de loyer pour 560 euros de crédit, on est largement au-dessus. C'est excellent. On est à peu près à 550 euros de cash flow positif tous les mois. Donc là, c'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur rentable va rechercher.
Bah, vous avez mis tout simplement 0 euro d'apport, vous avez un bien qui va se payer tout seul et tous les mois vous avez 500 euros dans votre poche. C'est comme si vous aviez une augmentation de salaire de 500 euros. Hein? Vraiment, et imaginez si vous achetez un deuxième appartement, parce que là, la banque va continuer à vous prêter, hein, vous gagnez de l'argent tous les mois, et un deuxième, un troisième, un quatrième, voilà, c'est comme ça que font vraiment les investisseurs à succès. Alors, je vais mettre un petit bémol quand même, parce que on a fait juste 30% en moins pour avoir les revenus nets. On va voir qu'en réalité, c'est souvent un petit peu plus de charges qu'on va avoir. Donc, je vais lancer tout de suite mon calculateur et on va passer à l'étape numéro 6. Donc, je reprends rapidement les chiffres de mon investissement. 88 000 euros, 80 mètres carrés. Les montants, les travaux, on avait dit 15 000 euros à faire confirmer quand même par plusieurs artisans. Les frais de notaire, c'est calculé automatiquement dans mon calculateur, mais vous pouvez aller toujours sur le site desnotaires.fr. Les frais bancaires, ça va être les frais facturés par la banque pour réaliser votre prêt. Essayez de les négocier à 0 euros. Cependant, si vous n'y arrivez pas, moi, je les ai déjà provisionnés à 500 euros. Il va falloir aussi prendre en compte la valeur du mobilier. Ça, on n'avait pas pris en compte dans les étapes précédentes. Et oui, une colocation, on va la louer meublée pour plusieurs raisons. Bah, premièrement, pour créer un service et une offre clé en main. Hein. Les étudiants, les jeunes travailleurs, ils n'ont pas envie d'acheter leur lit, ils n'ont pas envie d'acheter un frigo quand ils s'installent dans une ville. Donc, vous leur offrez tous les services, tous les équipements possibles. Donc, lit, matelas, bureau, dressing, électroménager, table, chaise, canapé, télé. Donc, première raison. Deuxième raison, ça va permettre d'augmenter, pourquoi pas, le loyer par rapport aux concurrents qui louent en location nue. Même si c'est vrai que maintenant, toutes les colocations en général, on loue meublé. Et troisièmement, ça sera fiscalement. On va pouvoir bénéficier du régime de la location meublée et j'en parlerai tout de suite après, mais c'est vraiment le plus avantageux. Donc, valeur du mobilier, faut compter 8000 euros environ pour du mobilier parce que 1500 euros par chambre et 2000 euros pour le reste de la colocation. Donc, niveau financement, ça ne bouge pas. On est sur un taux à 1,80 sur 20 ans et un crédit, un taux d'assurance crédit à 0,10%. Ce qui change, c'est qu'on va emprunter un petit peu plus vu qu'on a pris en compte la valeur du mobilier. Alors, partie fiscalité. Donc, je rappelle comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Ben, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé par rapport à votre tranche marginale d'imposition. Votre tranche marginale d'imposition est elle-même définie par rapport à vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Par exemple, si vous êtes à la tranche de 30%, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, mais il va aussi falloir rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, ça sera plutôt 47,2% d'impôt sur vos revenus immobiliers. Alors après, il y a le régime réel et le régime microfoncier. Le régime réel, on va prendre en compte les charges réelles et le régime microfoncier, on enlève 30% sur vos revenus total immobilier et on enlève 30% et ça devient votre revenu imposable. Par exemple, vous gagnez 1000 euros par an avec l'immobilier, vous passez au microfoncier, vous n'avez plus que 700 euros imposés. Bon, cependant, vous avez quand même compris que si vous êtes à une tranche de 30%, vous allez en fait payer 47,2% d'impôt sur chaque euro imposable, chaque euro de location meublée, de revenu immobilier, pardon. Chaque euro de revenu immobilier sera taxé à 47,2%. Donc, ça impacte énormément la rentabilité. Heureusement, avec la location meublée, on va pouvoir amortir le prix du bien déjà. 88 000 euros sur 30 ans. Donc ça fait presque 3 000 euros par an qui vont venir en déficit automatiquement.
Ensuite, on va pouvoir amortir la valeur des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Amortir les frais de notaire, ça, c'est pas pareil en location nue, c'est pas possible. On va pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans également et les frais de dossier bancaire. Ce qui veut dire que vous allez vous créer du déficit et que année après année, vous allez rogner votre déficit pour enfin, ou malheureusement, payer des impôts. Mais ça n'arrivera pas avant 5-6 ans minimum vu le type de l'opération et l'exemple qu'on prend actuellement. Et j'espère que vous comprenez aussi l'intérêt de faire des travaux dans un bien. Ça permet de rénover le bien, de lui créer de la valeur, de le louer plus cher, de le louer plus facilement. Tout cet argent dépensé dans les travaux, en fait, vous ne le dépenserez pas dans les impôts. Donc, au lieu de payer des impôts et avoir un bien dans un état pas terrible, faites des travaux et vous ne paierez pas d'impôts et vous aurez un bien dans un état neuf. Voilà l'intérêt aussi de faire des travaux. Pour finir sur la fiscalité, renseignez-vous vraiment sur la location meublée. C'est pour moi le meilleur moyen pour commencer à investir dans l'immobilier. Ok, donc recette locative maintenant. On était sur du 1600 euros à 400 euros la chambre. Je vais vérifier quand même. Oui, c'était bien ça. On n'oublie pas la vacance locative. La vacance locative, c'est le nombre de jours où votre logement sera vide. Donc, surtout pour de la colocation, moi, je prends un mois de vacances locatives. Donc, ça correspond à 8% dans mon calculateur. C'est 8% sur l'année. Donc, automatiquement, mes loyers bruts vont être déjà diminués de 8% dans mon calculateur. Ensuite, on a les charges d'exploitation. Déjà, si vous avez des si vous faites appel à une agence, elle va vous prendre entre 7 et 8% de vos revenus bruts. Plus, elle va vous facturer des frais d'entrée-sortie. Donc moi, je paye 75 euros pour chaque entrée et sortie dans mes colocations. Vous, ça peut être plus. Renseignez-vous aussi auprès des agences pour connaître leurs tarifs. Les agences sur Grenoble, bien sûr. Et donc, si on provisionne deux départs et deux entrées par année, ça va nous coûter environ 150 euros. Ensuite, on a la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, c'est très important de les demander aux propriétaires parce que ça varie d'un immeuble à l'autre et d'une rue à une autre. Et donc, nous, dans notre annonce, je pense qu'on avait les charges de copropriété qui étaient quand même de 2147 euros. Mais on n'avait pas la taxe foncière. Alors, on avait vu dans une autre annonce une taxe foncière de plus de 1100 euros. Donc, on va se baser là-dessus quand même pour faire notre estimation. Bien sûr, il faudrait demander la taxe réelle au propriétaire. Vous aurez aussi des frais de réparation. Il faut provisionner un peu d'argent pour les futurs travaux et rénovations qui auront lieu dans votre appartement. Je peux vous dire que ça arrive tout le temps. Chaque année, il y a des charges, il y a des frais supplémentaires. Donc, 800 euros. Moi, je prends un demi-mois de loyer. Ensuite, on va avoir l'assurance propriétaire non occupant. Et pour une colocation, ça sera pas plus de 200 euros. Peut-être que vous obtiendrez une assurance à 150 euros même. Ok, donc déjà là on a pris des charges beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles que juste 30% en moins sur les revenus bruts. On a des premiers rendements qui apparaissent. Alors c'est pas le plus intéressant. Pour moi, c'est vraiment le cash flow le plus important. Savoir ce qui rentre dans notre poche ou ce qui sort de notre poche tous les mois. Le reste, c'est facultatif. Alors bien sûr, un rendement net important comme celui qu'on a là signifie en général un gros cash flow, mais ce n'est pas la même chose, hein. Faut bien différencier. Justement, le cash flow, il est juste en dessous et on a quand même 407 euros de cash flow
tous les mois, ça fait près de 4 879 euros à l'année. Donc là, c'est vraiment énorme, très intéressant. On n'a même pas négocié le prix d'achat et on n'a même pas fait quelques petites optimisations que je vais vous montrer par la suite. Donc, c'est vraiment terrible. Super bonne nouvelle pour vous. Avec des chiffres comme ceux-là, vous pouvez vraiment vous intéresser à l'investissement pour une colocation en tout cas. Donc j'enregistre le scénario de base et on va voir comment on peut encore améliorer tout ça. Alors j'en ai parlé depuis le début, le meilleur moyen pour faire une bonne affaire, c'est d'acheter bas. Donc on va encore négocier le prix, c'est très important. Demandez-vous en combien de temps vous avez gagné ne serait-ce que 1000 euros. Hein ? Donc si vous arrivez à faire baisser de 1000 euros déjà le prix d'achat, ben, vous aurez gagné votre journée, voire peut-être votre mois. Okay. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si le prix d'achat est déjà faible, déjà parmi les plus bas au départ, c'est également un signe que on peut encore négocier plus. Alors, vous allez me dire pourquoi. Ben, ça signifie tout simplement que le vendeur est prêt à faire des efforts pour vendre. Il a déjà mis son bien peut-être en dessous du prix du marché parce qu'il a besoin de vendre rapidement. Alors, on ne sait pas pourquoi il a besoin de vendre. Il faudrait lui poser des questions pour comprendre sa démarche. Mais un vendeur qui est motivé pour vendre, il va être motivé aussi pour baisser son prix. Ça va avec. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une offre agressive. J'ai envie de vous dire, au pire, il y a des dizaines de bonnes affaires qui se font tous les jours à Grenoble et ça, j'en suis sûr. Donc, si ce n'est pas celle-ci, ça sera une autre. Donc, le prix d'achat, on va le faire baisser de 10 000 euros. Je ne vais pas prendre une grosse négociation parce que sinon, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas possible. Alors que tous les jours, hein, il y a des grosses négociations qui se font. Ok, donc deuxième scénario, ce qu'on pourrait faire, ça serait d'augmenter la durée du prêt. Ça aussi, on voit un gros écart, on voit un cash flow vraiment augmenter. Donc je vais vous le montrer par exemple. Moi, je trouve que 20 ans, c'est déjà très bien et qu'on a déjà un cash flow suffisant, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Avec un prêt sur 22 ans et donc on aura des mensualités encore plus petites et donc un meilleur cash flow. On va comparer tous les scénarios à la fin de la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre une durée sur 20 ans. Alors, un autre moyen aussi, c'est d'augmenter les loyers, forcément. On était parti sur une simulation à 400 euros, on était sûr de louer. On pourrait aussi partir sur 430 euros par chambre. Hein. Ce n'est pas une augmentation excessive. Donc, on rajoute 30 euros par chambre, ça nous fait quand même 120 euros en plus à la fin du mois. Alors, bien sûr, après, on prend la vacance locative, les frais de gestion, etc. Mais je vous montre juste avec un loyer un petit peu plus élevé. Loyer 430 euros. Ok. Donc, on va garder le loyer un petit peu plus élevé. Et le dernier élément, c'est réduire les charges d'exploitation du bien. Alors je suis pas forcément pour gérer par soi-même son bien immobilier parce que ça demande du temps et si vous passez du temps à gérer, vous ne passez pas du temps à réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Cependant, si vous voulez maximiser le cash flow, si vous voulez aussi savoir en quoi consiste la gestion du bien, quel temps ça prend, vous rendre compte du métier de toute façon de gestionnaire de biens immobiliers, ben, il peut être intéressant, pourquoi pas, les premières années de gérer par vous-même. Après, je vous conseille quand même de faire une simulation avec une agence, parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, vous en aurez marre et vous aurez envie de déléguer.
Et à ce moment-là, vous aurez déjà pris en compte les frais d'agence. Donc j'enregistre sans agence et je vais mettre loyer 430 sans agence. Ok, donc on va comparer tous les scénarios entre eux. Grâce à mon petit bouton magique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? J'augmente encore un petit peu la taille. On voit déjà qu'on a un super cash flow de départ. Ça, c'est vraiment rare, 400 euros directement. C'est extrêmement rare. C'est peut-être la première fois que je vois ça, alors que j'ai fait au moins 75 villes de France d'études. De rentabilité de cash flow. Donc déjà c'est exceptionnel. Après on négocie 10 000 euros, on passe à 461 euros de cash flow. On prend après sur 22 ans, et ben on passe de 460 euros à 501 euros. Après c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est mieux, gagner 501 euros sur 22 ans tous les mois ou gagner 480 euros, 460 euros sur 20 ans tous les mois. Pour moi, ça suffit, on a déjà un bon cash flow, 20 ans, c'est une bonne durée. Prenez sur 25 ans quand vraiment vous n'arrivez pas à avoir de cash flow. C'est mon conseil en tout cas. Un loyer aussi, si on augmente le loyer, eh ben on passe de 461 euros à 564 euros. Hein, c'est énorme la différence. Près de 100 euros en plus chaque mois. D'où l'importance de bien aussi savoir à quel prix on va louer notre appartement parce que à 30 euros près par chambre, eh ben c'est pas la même affaire. Et ensuite, toujours à 430 euros, si on ne fait pas appel à une agence, on passe de 564 euros à 674 euros. Donc là, c'est énorme. Là, vraiment, imaginez deux opérations comme celle-ci, ça fait plus de 1300 euros dans votre poche tous les mois. Hein, c'est un SMIC en plus dans votre poche. C'est vraiment pour ça que j'adore investir dans l'immobilier. C'est parce qu'on peut partir avec 0 euro d'apport et gagner de l'argent tous les mois. C'est comme ça que font les meilleurs investisseurs et ceux qui arrivent à multiplier leur achat, faire 15, 20, 30 achats en 2, 3, 4, 5 ans. C'est en gagnant vraiment de l'argent tous les mois. Donc je suis content parce que j'ai pu vous montrer, si vous êtes à Grenoble ou dans la région de Grenoble, qu'il est possible vraiment de trouver des biens rentables avec de la colocation. On aurait aussi pu faire la même étude avec de la location courte durée ou un immeuble de rapport, hein. Ça aurait été intéressant également. Vous avez aussi pu voir que la clé, c'était la transformation du bien, augmenter les revenus, faire des travaux pour attirer les locataires et louer, pourquoi pas, plus cher. Et puis, moi, vous pouvez toujours télécharger mon calculateur simulateur que j'ai utilisé dans cette vidéo. C'est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Toujours utile de négocier à la baisse un prix d'achat. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'investissement immobilier, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à Grenoble, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine!